La puissance émerge dans lui. À ton prix sera tes œuvres dans nos vies. À ton prix sera tes œuvres dans nos vies. Oh, à ton prix l'œuvre de la résurrection dans nos vies. Ressuscite nos vies. Ressuscite nos affaires. Ressuscite nos familles. Alléluia. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Éclate ta gloire. Éclate ta gloire. Qui à la sortie de ces crises, ton peuple, Seigneur, reconnaisse que tu étais parmi eux. Car tu as promis d'être là où des sous toi sont ensemble en ton nom. Seigneur, ici nous sommes plus de toi. Le quorum est atteint pour que tu te manifestes. Le quorum est atteint pour que tu sois présent. Sois présent au milieu de nous. Alléluia. 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 À qui vais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Vers qui irons-nous, disaient tes disciples? C'est vers toi que nous venons, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi celle qui peut transformer des vies ce matin, cet après-midi. Chacun de ton peuple est venu en sceller avec des attentes, Seigneur. Moi, je ne saurais pas combler cette attente, mais toi seul et par le Saint-Esprit, comble les attentes de ton peuple. Alléluia. Qu'il te voie à l'œuvre. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là parmi nous pour faire son œuvre. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Laisse-nous, laisse-toi conduire par le vent du Saint-Esprit. Laisse-toi être submergé par le vent du Saint-Esprit. Laisse-toi être envahi par le sang, le vent du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, esprit de paix, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit, Seigneur, qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu. Révèle-toi au milieu de ton peuple. Révèle-toi au milieu de ton peuple. Que ton peuple reconnaisse que tu es là. Oh Seigneur, oh Seigneur, que Seigneur, leur vie ne soit pas le même. Que leur vie ne soit pas le même. Oh, quand tu as dit, personne n'est venu dans ta présence et resté là. Même. Personne n'est venu dans ta présence et rentré tel qu'il était venu. Oh, dans ta présence, ton peuple rentre comblé, rempli de joie. Alléluia. Alléluia. Mande le beau chakile abashikandele. Mande le beau shekebara. Alléluia. Laisse-toi conduire par la mouvance du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Je ne vais pas arrêter ce que le Saint-Esprit veut faire cet après-midi. Oui, je suis venu, Seigneur, c'est vrai, prêcher en ce moment, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Alléluia. Conduis ton peuple. Remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Conduis ton peuple. Saint-Esprit envahit ce lieu. Saint-Esprit envahit ce lieu. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Envahit cette assemblée. Saint-Esprit. C'est vers toi que nous sommes venus. Envahit ce peuple qui est venu assoiffer. Envahit ce peuple qui est venu assoiffer. Toi seul es capable de combler le soif de tout et chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, envahis ton peuple. Alléluia. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu viens d'attester ta présence. Merci parce que tu attestes ta présence. Merci, Saint-Esprit, parce que tu attestes ta présence. Merci, Saint-Esprit, parce que tu attestes ta présence.
cœur de ton peuple. Révèle-toi en nous. Alléluia. 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 Libère, libère le don de ton peuple. Libère le don de ton peuple. C'est l'année de la résurrection. Nous n'allons pas attendre décembre pour que la résurrection arrive. La résurrection commence dès que tu as annoncé cette parole. La résurrection commence. Alléluia. Alléluia. Ressuscite les dons de ton peuple. Ressuscite les capacités de ton peuple. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Mandele boche kebala, mandele boche kandele yaba shekebala, mandele boche kebala, mandele boche kandele yaba shekebala. Alléluia, alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi. Alléluia, alléluia. 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 Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Cet esprit fait son œuvre. Alléluia, alléluia. Esprit de sang, 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 esprit de sang
Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci. Merci pour ta présence, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa présence parmi nous. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Dieu est là parmi nous. Alléluia. Lui-même, il a promis, il a dit, là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est là. Alléluia. Et nous sommes ses serviteurs, nous devons être sensibles à la voix de son esprit. Je devais commencer depuis longtemps, mais l'esprit ne m'a pas permis de commencer. Alors, je ne pouvais pas laisser et empêcher l'Esprit de faire son œuvre. Et vous avez écouté que l'Esprit a fait son œuvre et l'Esprit a donné un message au travers de notre maman. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Nous pouvons être dans la joie que Dieu est là. Dieu n'a pas besoin que nous puissions être sans pour être là. Il est là. Il est là. Là où les gens se réunissent invoquant son nom, il est là. Alléluia. Sois rassuré que Dieu est là et que tu ne sortiras pas mal vide. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu parce qu'il nous a instruits. Vous avez suivi le message de maman. Nous devons continuer à les chercher. Il est avec nous. Il est avec nous. Ne te fatigue pas. Ce que tu attends de Dieu finira par s'accomplir. Alléluia. 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 Nous parlons de la vision. Alléluia. Nous parlons de la vision, c'est le thème. C'est le thème qui nous a été proposé par le Saint-Esprit, par les canaux de son serviteur. Et nous avons commencé à parler déjà depuis le début du mois. Et j'ai l'honneur de finir encore, de clôturer ce mois aujourd'hui, en continuant toujours de parler du même thème qui est la vision. Nous savons tous que du moins pour tous ceux qui étaient là présents tout au long du mois ou pour tous ceux qui ont suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, la vision, nous avons dit la vision était cette mission spéciale que Dieu a pour tout un chacun de nous. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. Les bonnes œuvres que nous devons manifester dans nos vies.
Cela a déjà été créé en avance, avant même que nous puissions être créés. Alléluia. Je l'ai dit tantôt l'autre fois, Jérémie n'était pas encore dans le ventre de sa mère. Ses parents n'avaient pas encore eu l'idée de l'enfanter ou d'avoir un enfant. Mais Dieu disait à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Et tout un chacun de nous ici présents, nous devons savoir que Dieu a une mission pour tout un chacun de nous. C'est une mission que nous devons représenter dans notre esprit. Et cette mission que nous devons accomplir par l'aide de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la fois passée, je suis passé ici pour dire, c'est vrai que chacun de nous a déjà une mission qu'il accomplit. Mais j'ai posé la question de savoir, est-ce que la mission que tu accomplissais ou que tu as ou que tu représentes, si cette mission était réellement la mission de Dieu. Alléluia. Nous avons vu avec Saul de Tarse qui avait une mission. Il avait une vision qu'il poursuivait. Et dans sa vision, cette vision qu'il poursuivait faisait de lui une personne importante dans la société. Alléluia. C'était une personne respectée dans la société. Mais en réalité, la vision qu'il avait n'était pas la vision que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Alléluia. Et Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer sa vision. Alléluia. Et à cause de cette rencontre, Dieu a changé même son identité. Dieu a changé son nom. Il a cessé d'être Saul de Tarse, il est devenu Paul. Alléluia. 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 Nous comprenons que pour découvrir sa vision, nous devons avoir une connaissance de Dieu. Alléluia. Sans la connaissance de Dieu, nous ne pouvons pas découvrir notre vision. Alléluia. Parce que Job 33, verset 14 à 15 dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt dans des songes, tantôt dans des révélations, mais l'on n'y prend point garde. Alléluia. La connaissance de Dieu est un élément très important pour découvrir sa vision. Alléluia. Alléluia. Osée nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Sans la connaissance de Dieu, il est difficile de comprendre comment Dieu me parle. Parce que Dieu ne me parle, de la manière dont Dieu me parle, ce n'est pas la même manière que Dieu te parle. Alléluia. La manière dont Dieu parle à mon frère, ce n'est pas la même manière que Dieu te parle. Alors tu dois connaître ce Dieu. Quand tu connais ce Dieu, tu seras aussi sensible à écouter sa voix. Tu découvriras comment Dieu me parle. Est-ce que Dieu me parle dans les songes? Est-ce que Dieu me parle dans les visions? Est-ce que Dieu me parle? Comment Dieu me parle? Est-ce que Dieu me parle comme Saul de Tarse? Il apparaît à moi par une vision. Alléluia. Saul de Tarse n'est pas le seul à avoir une vision. Nous connaissons tous aussi l'histoire de Moïse. C'est de cette manière aussi que Moïse a découvert sa vision, qui était sa mission. Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. C'est de cette manière-là que Dieu s'est révélé à Moïse. Mais Dieu ne se révèle pas à nous tous de la même manière. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je dis, nous devons en premier lieu connaître Dieu. Alléluia. Et la connaissance de Dieu passe par sa parole. Alléluia. Dieu se révèle à nous d'abord par sa parole. Le père de cette maison se bat pour que tous les peuples de rébâtisseurs marchent dans le prophétique. Mais nous devons savoir qu'il est difficile de marcher dans le prophétique sans pourtant être intime de la parole de Dieu, sans pourtant être intime du Logos. Parce que nous avons besoin du prophétique des rêmes. Mais comment recevoir des rêmes si on n'est pas intime, si on n'est pas habitué avec le Logos, avec la parole écrite? Nous devons faire de la parole de Dieu notre. Nous devons aimer la parole de Dieu. Passer du temps dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que Dieu a révélé sa volonté dans sa parole. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu que Dieu a révélé le plan, son plan pour l'humanité. Le plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille est révélé dans la parole de Dieu. Alors tu dois être intime de la parole de Dieu. Si tu veux découvrir ta
ta vision, tu dois être d'abord, commencer d'abord à être intime de la parole de Dieu, c'est-à-dire être intime de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu se révèle au travers de sa parole. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas la seule manière que Dieu nous parle. Alléluia. Pourquoi je dis nous devons connaître Dieu? Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 3, je vais prendre quelques versets seulement. Alléluia. 1 Samuel chapitre 3. Je vais lire, je commence à lire le verset 6. L'Éternel appela. Alléluia. Non, je commence au verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Verset 5. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Écoutez ce que dit le verset 7. Oh, nous allons lire en anglais. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 4. Amen. Merci, merci ma fille. Bon, je vais lire simplement en français pour gagner du temps, puisqu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Je lis le verset 7. Écoutez ce que la parole dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Vous entendez ce que la parole de Dieu dit? Samuel, Dieu se révèle en lui pour lui révéler sa vision. Mais Samuel ne saisit pas comment l'Éternel se révèle à lui. Parce que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Alléluia. La connaissance de l'Éternel passe en premier avant de découvrir sa vision. Si tu ne connais pas l'Éternel, tu passeras à côté de ta vision. Alléluia. Parce que tu ne sauras pas saisir comment l'Éternel te parle. Alléluia. Nous devons chercher à connaître Dieu. Alléluia. Nous devons cesser d'être des chrétiens légers, des chrétiens qui n'ont pas une vie d'intimité avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons être intimes de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que dans la parole que Dieu se révèle. Alléluia. C'est vrai, nous devons aimer les prophéties, mais la parole de Dieu nous dit quoi? Nous devons examiner les prophéties, parce qu'on ne fait pas foi à toute prophétie. La parole nous demande d'examiner les prophéties. Mais la Bible me dit ceci. La parole de l'Éternel est parfaite. Alléluia. La parole de l'Éternel, elle est parfaite. Il n'y a rien à reprocher dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut te donner une prophétie qui peut être une fausse prophétie. Mais la parole de l'Éternel, si tu t'attaches, tu deviens intime. Tu découvriras comment Dieu te révèle, se révèle en toi. Alléluia. Parce que chacun de nous, Dieu se révèle à lui de sa manière. Nous avons vu que Saul de Tarse, qui est devenu Paul, Dieu s'est révélé à lui par une vision. Dieu est apparu à lui. De même que Moïse, Dieu a apparu à Moïse par un buisson ardent. Mais ce n'est pas le cas avec Samuel. Samuel, en se couchant, Dieu l'a appelé. Dieu s'est révélé à Samuel par des rêves. Mais Samuel ne comprenait rien. Alléluia. Alléluia. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu se révèle à nous. Il y a longtemps que Dieu nous révèle sa vision pour nos vies, sa vision pour nos familles. Mais nous ne saisissons pas comment l'Éternel se révèle en nous. C'est la raison pour laquelle nous passons à côté de notre vision. Nous menons une vie qui ne nous plaise même pas à nous-mêmes. Alléluia. Nous nous plaignons chaque jour. Or, le souhait de Dieu n'est pas que nous puissions nous plaindre. Jean 10, 10 dit la dernière partie dit quoi?
Je suis venu vous donner une vie abondante. Alléluia. Une vie abondante sur tous les plans. Alléluia. Une vie abondante. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous donner une vie de précarité où nous nous inquiétons à tout moment, où nous demandons des choses, où nous manquons des choses. Non. Jean 1, verset 12 nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, ils sont devenus quoi? Des enfants de Dieu. Alléluia. La Bible continue à dire, si nous sommes enfants, nous sommes quoi? Héritiers, co-héritiers des choses de Dieu. Alléluia. Alors, le monde appartient à Dieu. Tout ce qu'il y a dans ce monde appartient à Dieu. Et nous, ses enfants, nous devons profiter de ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Nous devons marcher comme des rois. La parole nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais vous mourrez comme des fils des hommes. Pourquoi cela? À cause du manque de connaissance. Osée 4 nous le dit. Alléluia. Nous devons connaître Dieu. Alléluia. Le verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Écoute, c'est ce que la Bible dit. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alléluia. Élie comprit pourquoi? Parce que Élie avait la connaissance de Dieu. Il connaissait Dieu. C'est la raison pour laquelle Élie a compris que c'était l'Éternel qui appela le petit, le jeune Samuel. Et au verset 9, la Bible nous dit, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Alléluia. Et heureusement pour Samuel, Samuel avait un père spirituel qui n'était pas jaloux. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des pères spirituels qui ne veulent pas voir leur fils émerger. Alléluia. Si Élie était méchant, Élie n'avait pas révélé comment Dieu s'est révélé au jeune Samuel. Mais Élie, comme il était un bon père spirituel, il a orienté le jeune Samuel en lui disant que va te coucher. Quand tu entendras encore cette parole, tu diras, mais voici l'Éternel, parle-moi, ton serviteur écoute. Alléluia. 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 Nous devons avoir une connaissance approfondie de Dieu. Alléluia. Si nous avons une connaissance approfondie de Dieu, nous allons découvrir comment Dieu se parle à nous. Alléluia. Alléluia. Mon thème cet après-midi, c'est comment découvrir sa vision. Comment tu dois découvrir sa vision? C'est vrai que nous avons commencé à parler de la vision. Nous avons dit beaucoup de choses par rapport à la vision. C'est vrai que Dieu se révèle à son peuple et à ses enfants par des visions, par des songes, par des rêves. Oui. Quel est le rêve que vous aviez quand vous étiez jeune? Alléluia. Parce que c'est de cette manière aussi Dieu se révèle à ses enfants. Nos enfants, souvent à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, nos enfants ont des rêves. Nous aussi, nous avons des rêves. Mais parfois, nous avons laissé ces rêves. Parce que pourquoi? En les racontant à quelqu'un, cette personne te décourage. Non, ça, ce n'est pas bien pour toi. Or, le rêve conduit quelqu'un à découvrir aussi sa vision. Alléluia. Tu rêvais de quoi lorsque tu étais jeune? De quoi tu rêvais? Lorsque tu es entré dans ce travail, tu rêvais quoi? Lorsque tu es entré dans ce mariage, tu rêvais quoi? Est-ce que tu as laissé tes rêves parce que tu t'es dit que non, c'est impossible, cela ne doit pas se réaliser? Non. Les rêves de Dieu ou la vision que Dieu a préparée pour toi, cette vision est valable pour toute la vie. Alléluia. Dieu s'est révélé à Samuel dans son jeune âge. Dieu s'est révélé à David dans son jeune âge. Mais Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham était déjà vieux. Alléluia. Même tout en étant vieux, même tout en étant vieille, même tout en étant en ayant 60 ans, Dieu est capable de révéler sa vision. Et tu peux entrer dans la vision que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Alléluia. Quel rêve que tu avais? Quels sont les rêves que te rencontrent tes enfants? Est-ce que tu les encourages dans ces rêves ou tu les décourages? Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph, déjà à 17 ans, Joseph avait des rêves. Alléluia.
Le rêve que Joseph recevait était la vision que Dieu avait pour Joseph. Alléluia. Mais à chaque fois que Joseph racontait ses rêves à ses frères, cela attirait la jalousie et la haine de ses frères. Alléluia. Alléluia. Parfois, il faut éviter de rencontrer ses rêves. Alléluia. Garde parfois tes rêves secrets jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en racontant tes rêves aux hommes, ne crois pas que tout le monde serait d'accord. Alléluia. Alléluia. J'ai des rêves. Parfois, quand je dis ces rêves-là, on se moque de moi parfois. Quelqu'un se moque de moi. Je ne le dirai pas ici. Mais je sais que ces rêves-là se réalisera. Et quand ça se réalisera, les gens comprendront de quoi je parlais. Alléluia. Alléluia. Les rêves que Dieu met en nous, ce sont des rêves qui étonnent le monde. Ce sont des rêves grands. Notre Dieu est un Dieu grand. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner de petites choses. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner de rêves insignifiants. Non. Les rêves que Dieu a pour nous, ce sont toujours des rêves grands. Qui peut apparaître comme une folie aux yeux des autres. Alléluia. Les frères de Joseph prenaient Joseph pour un fou. Alléluia. Quand Joseph disait que vous allez se prosterner devant moi, ses frères disaient quoi? C'est impossible. Parce qu'ils ne savaient pas de qui venaient ses rêves. Alléluia. Ces rêves venaient du Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Ces rêves venaient de celui qui avait créé Joseph. Alléluia. Dieu révélait sa vision à Joseph. Alléluia. Alléluia. Quel est le rêve que tu as? Alléluia. 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 Donc, je dis, Dieu peut te révéler à toi par des visions, par des rêves, par des songes. Mais quelqu'un me dira, jusqu'à présent, je n'ai pas encore découvert ma mission ou ma vision. Je n'ai reçu aucun rêve, je n'ai reçu aucune vision, je n'ai rien reçu de tel. Alors, comment faire pour découvrir ma vision? Alléluia. Si vous vous souvenez, un jour, je parlais ici de sensations prophétiques. Alléluia. Dieu peut te révéler ta vision par un fardeau qu'il dépose dans ton cœur. Alléluia. Quel fardeau que tu as dans ton cœur? Alléluia. Je parlais de vision, je parlais de songe, je parlais de rêve. Maintenant, je parle du fardeau. Dans ta vie, qu'est-ce qui te fait pleurer? Alléluia. Quand tu regardes, est-ce que ce sont les pauvres qui te font pleurer? Alléluia. Est-ce que ce sont les orphelins qui font pleurer ton cœur? Alléluia. Qu'est-ce qui fait pleurer ton cœur? Les gens dans ce monde ont accompli leur vision simplement par un fardeau que Dieu avait déposé dans leur cœur. Dieu n'est pas apparu à eux pour les révéler par une vision, non. Dieu n'est pas donné des songes à ces gens-là, non. Mais Dieu a déposé un fardeau. Il y a des gens, quand on parle de veuve, tu sens ton cœur ici. Tu te sens mal. Quand on parle des orphelins, tu sens que ton cœur est dérangé. Cet après-midi, je te demande, quel est le fardeau que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu ressens un fardeau pour les pauvres? Est-ce que tu ressens un fardeau pour les orphelins? Est-ce que tu ressens un fardeau pour le femme veuve? Est-ce que tu ressens un fardeau pour... Quel est le fardeau qui est dans ton cœur? Alléluia! Je disais que des gens ont découvert leur vision au travers de ces fardeaux. Avant de donner un exemple de la Bible, je sors en dehors de la Bible. Vous connaissez tous Mère Teresa. Alléluia. Mère Teresa a accompli sa vision au profit de pauvres et des malades à cause d'un fardeau que Dieu avait déposé dans son cœur. Alléluia. Ce fardeau-là a fait en sorte que toute sa vie, Mère Teresa a consacré sa vie aux pauvres. Et toi? Qu'est-ce qui dérange ton cœur? Qu'est-ce qui fait, qui tourmente ton cœur? Quand tu restes calme, qu'est-ce qui tourmente ton cœur? Qu'est-ce qui fait pleurer ton cœur? Alléluia. 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 Ce fut le cas pour Néhémie.
Je glorifie Dieu pour Maman Sandra. La prédication de sa prédication de la semaine passée m'a poussé à aller lire l'histoire de Néhémie. Et j'ai découvert que Néhémie aussi a découvert sa vision par un fardeau. Alléluia. Alléluia. Lisons Néhémie chapitre 4, chapitre 1, verset 4. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Vous écoutez ce que Néhémie dit. On vient d'informer Néhémie que Jérusalem a été détruite. Alléluia. Mais la Bible dit, quand Néhémie reçoit ce message, dans Néhémie 1, verset 4, Néhémie dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné, j'ai prié devant Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. Jérémie a découvert sa vision, non parce que Dieu s'est révélé à lui par une vision. Alléluia. Jérémie a découvert sa vision, non pas parce que Dieu avait donné des songes à Néhémie. Néhémie n'a pas découvert sa vision parce que, comme le jeune Samuel, Dieu a donné des rêves à Néhémie. Non. Mais Néhémie a simplement entendu un message venant de son pays. Que son pays était détruit, Jérusalem était détruit. Mais quand Néhémie a écouté ce message, son cœur était dérangé. Il a porté ce fardeau dans le cœur. Mais je dis aussi, il fallait connaître Dieu pour découvrir sa vision. Quand Néhémie a reçu ce message, en se dérangeant, Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gêné et prié. Pour gêner et prier, il faut connaître Dieu. On ne peut pas gêner et prier sans connaître Dieu. Néhémie connaissait Dieu. Et le fardeau qu'il avait reçu dans son cœur l'a poussé à aller vers ce Dieu qu'il connaissait. Alléluia. Néhémie a pris le temps de prier. Néhémie s'est simplement dit, par le fardeau que je ressens dans mon cœur, cela peut être la vision que Dieu a préparée pour moi. Alléluia. Et c'est comme ça que Néhémie est entré dans sa vision. En priant, Néhémie priait pour demander la faveur de son roi. Parce que Néhémie, là où il travaillait, il était celui qui servait à boire au roi. Néhémie priait, demandait à ce que Dieu le fasse grâce, à ce qu'il trouve faveur auprès de son roi. Et que le roi l'autorise à aller rebâtir Jérusalem, mais et que le roi l'aide aussi avec le moyen pour aller reconstruire Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Comme la Bible nous dit, l'Éternel écoute toujours ceux qui invoquent son nom. Alléluia. Jérémie a cherché l'Éternel en priant et en jeûnant. Alléluia. La Bible dit, toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront en toi. Alléluia. Quand Néhémie a prié, quand Néhémie a jeûné, il a trouvé faveur auprès du roi. Le roi l'a vu, le roi a lu dans son visage que Néhémie n'avait pas une bonne expression. Parce que quand vous vivez avec une personne, et que cette personne-là, si cette personne-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, directement vous allez découvrir qu'il y a, un « ça ne va pas ». Le roi l'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Néhémie a simplement exposé ce fardeau qui était dans son cœur. Il a demandé l'autorisation au roi de l'accorder d'aller dans son pays et résoudre ses problèmes qui étaient dans son pays. Alléluia. Et Néhémie, c'est comme ça que Néhémie est entré dans sa vision. Alléluia. Dieu peut-être ne te parlera pas comme les jeunes Samuel. Dieu peut-être ne te parlera pas comme Paul ou Saul de Tarse. Dieu ne te parlera pas comme Moïse ou comme Abraham. Mais Dieu aussi peut te révéler sa vision ou ta mission par un fardeau qu'il dépose dans ton cœur. Alors tu dois être sensible en écoutant toujours la voix qui retentisse dans ton cœur. Qu'est-ce qui monte au plus profond de toi? Alléluia. Quel est ce fardeau qui dérange ton cœur? Alléluia. C'est dans ce sens-là que tu peux aussi découvrir ta vision. Alléluia. Ce fut aussi le cas pour David.
Nulle part, quand David a terrassé Goliath, vous ne verrez nulle part, la Bible dit que Dieu avait révélé à David d'aller combattre Goliath. Non. David, son père, l'a envoyé à amener la nourriture à ses frères. Alléluia. David a amené la nourriture à ses frères et en arrivant, David trouve l'armée de Philistins contre l'armée d'Israël. Et il y avait Goliath qui s'élevait, la Bible dit, pendant 40 jours. Il terrassait l'armée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que David dit. Alléluia. David dit ceci dans 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le peuple du désir d'Israël? Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Alléluia! Si vous lisez dans la Bible, la circoncision était signe d'alliance avec Dieu. Alléluia. Tout ce qui avait une alliance avec Dieu, ces gens-là étaient circoncis. Alléluia. Mais le peuple qui n'avait aucune alliance, aucune relation avec Dieu, ce peuple-là était des incirconcis. Quand David vient, il appelle un Goliath qui est cet incirconcis. David s'identifie de son alliance avec Dieu. David reconnaît qu'il a une alliance avec Dieu. C'est la raison pour laquelle David appelle Goliath cet incirconcis. Pourquoi David avait une relation avec Dieu? David connaissait Dieu. Alléluia! Je reviens toujours là, la connaissance de Dieu est importante pour découvrir sa vision. Alléluia. Si David ne connaissait pas Dieu, David n'allait pas appeler Goliath incirconcis. Et si David ne connaissait pas Dieu, David n'allait pas avoir l'audace de s'élever. Alléluia. Un autre élément pour découvrir sa vision, c'est par l'audace. Alléluia. Quand on est audacieux, mais cette audace doit toujours être liée par la connaissance de Dieu. Alléluia. Par la relation qu'on a avec Dieu. Alléluia. Dans le propos de David, dans 1 Samuel 17, verset 26, David nous montre qu'il connaissait Dieu. David appelle Goliath incirconcis et il dit qui est cet incirconcis qui incite l'armée de Dieu, l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et David se reconnaissait être circoncis, être en alliance avec Dieu. Alléluia. Cherche Dieu, cherche à connaître Dieu pour être révélé. Cherche à connaître Dieu pour recevoir la révélation de ta vision. Alléluia. L'audace de David a fait en sorte que David est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alléluia. David n'avait pas reçu une vision spéciale. Un ange n'avait pas apparu à David pour dire à David, Dieu m'a dit, te vois, c'est ça ta vision. Non. Il n'y avait personne, il n'y avait rien, il n'y avait même pas une vision. Mais David était audacieux. Quand tout le monde avait peur, quand tout le monde ne connaissait pas Dieu, mais David connaissait Dieu. Alléluia. C'est la connaissance de Dieu qu'avait David. C'est ce qui a donné de l'audace à David. Alléluia. Goliath terrassait tout le monde. La Bible dit qu'il était géant. Il avait une armure qui faisait peur. Alléluia. Mais tous les hommes qui étaient dans l'armée de l'Éternel ont montré par leur peur qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Venir à l'église chaque dimanche, ce n'est pas ça connaître Dieu. Alléluia. Il faut avoir une vie d'intimité avec Dieu, même en dehors de l'église. Alléluia. Et cette vie d'intimité passe par la prière, par la méditation de sa parole, par le jeûne. Alléluia. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Alléluia. 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 Quel est le fardeau que tu as de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu saisis les opportunités qui se présentent à toi? David n'a simplement été audacieux et il a saisi l'opportunité qui se présentait devant lui et il est devenu un héros. Alléluia. Alléluia. À cause de l'audace et de la connaissance qu'il avait de Dieu, il avait compris que l'alliance qu'il avait de Dieu, la circoncision, c'est-à-dire cette alliance qu'il avait avec Dieu, un incirconcis ne pouvait pas
vaincre l'armée de l'Éternel. Alléluia. Un incirconcis ne pouvait pas vaincre les enfants de l'Éternel. Alléluia. Parfois, nous sommes vaincus dans nos vies de tous les jours parce que nous méprisons le Dieu, notre Dieu. Alléluia. Nous méprisons ce Dieu-là que nous prétendons servir. Alléluia. Nous reculons devant des obstacles, devant des situations, parce que nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia. Un géant Goliath a été simplement terrassé par une pierre. Alléluia. Notre Jésus s'appelle la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. David a terrassé Goliath par la pierre qui était Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce Dieu. C'est parce qu'il connaissait Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous aurons une connaissance approfondie de Dieu, nous allons découvrir facilement notre vision, notre mission. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. 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 Nous allons nous lever, nous allons prier pendant quelques minutes. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que cet après-midi, il vient encore de te révéler sa parole. Il vient de te révéler sa volonté que tu puisses entrer dans sa vision. Il veut que tu le connaisses pour découvrir ta vision, c'est-à-dire sa vision qu'il a préparée pour toi. Il veut que tu le connaisses pour qu'il te montre la mission qu'il a pour toi. Alléluia. Et alléluia, alléluia. Donc nous devons entrer en contact avec ce Dieu, être intime de ce Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider parce que personne ne peut sans Dieu. Personne ne peut sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous avons déjà dans notre cœur cette disposition-là. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons chercher Dieu parce que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Dis merci à ce Dieu. Dis à ce Dieu de se révéler.